tout le monde, donc si vous voyez cette vidéo maintenant, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à me notifier. Hop. Donc aujourd'hui, c'est le... Il reste 3 jours pour profiter encore du coup d'eau du mois. Donc c'est pas grand chose. Après, vous l'aurez plus le teint parfait. Donc on commence toujours par mettre sa base. Donc la base pour le teint. Qui va venir vous mettre une barrière de protection, qui va venir lisser votre teint et le matifier. Hop, vous voyez, on en met un petit peu. Coucou Marine! Donc on en met un petit peu. Tu vas bien? J'ai envie de faire un live dans les tons verts aujourd'hui. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment envie de faire ce vert. C'est un petit moment que je me dis je vais le faire et je ne le fais pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire le live dans les tons verts. Coucou tout le monde! Donc on commence par les yeux, bien sûr. Ben moi, ça va super bien, ma poule. Nickel. Au top. Coucou Chris. Coucou Félie. Donc je vais prendre ce vert-là, là, celui-là. Vous voyez, là, comme ça. Alors, je me tâte si je prendrais pas avec du marron sur le côté. Je sais pas trop. Mais ouais, j'ai envie de faire ça. Donc, vu que j'ai envie de... Quand j'ai envie, il faut que je me lance. Donc, on se lâche. On est parti. Et je vais prendre, donc pour faire le creux de la paupière, je vais prendre du marron. Et je vais prendre la couleur Jealous. Donc, celle-ci. Pour venir faire mon creux de paupière. Hop. Hop. Vraiment pour faire la jonction entre les deux, quoi. Coucou Anna. Donc aujourd'hui, je vais mettre le stick fond de teint. J'ai envie. Donc là, je mets la couleur Jalouse pour le creux de ma paupière. Hop. En plus, on voit bien, là, je suis bien à la lumière. C'est parfait. Du coup. Hop. J'en mets un petit peu. Et après, on l'estompe, quoi. Tout simplement. Je mettrai peut-être un petit peu à l'intérieur de l'optimistique. J'aime beaucoup cette couleur. Et je pense que ça va bien y faire ressortir. Donc là, je viens prendre la couleur verte qui s'appelle Inconceivable. Alors moi, l'anglais, ça fait 72. Hein. Vous me connaissez à force. Et donc, je vais le mettre là, à l'intérieur. Je trouve que le vert et le marron, ça va très bien ensemble. J'avais vraiment envie de faire ça. Hop. Vous voyez déjà rien que les deux couleurs comme elles vont bien ensemble. Moi je kiffe. J'avais envie de tenter. Sinon comment ça va tout le monde? Enfin, du coup Marine et Anna. Parce que je vois aux petites bulles en haut. Donc on fait pareil de l'autre côté. J'adore déjà avec là. Je sens que ça va être joli. J'ai hâte de voir la fin. Vous voyez, je la mélange un petit peu avec le... Avec la couleur que j'ai mis, avec Jalouse, la couleur que j'ai mis en à l'intérieur. Oui, creux de paupière. Là, bien comme il faut là, mettre de partout. Et là, ensuite, pour finir, je vais venir mettre la couleur Delicious. Donc c'est où celle-ci, le marron foncé. Vous voyez, celle-là. Je vais venir mettre celle-ci dans le coin.
Elle est un peu irisée, j'aime bien. Et après, je vais venir là, l'estomper. Toujours, hein. L'estompage, c'est la base. C'est un estompage avec caca, comme ça. Vous voyez? Donc vraiment, bien penser à l'estomper à chaque fois. Coucou Minou! Tu vas bien? Alors ensuite on va venir estomper tout ça avec le pinceau estompeur. Là. Je suis pas là, ma poule, samedi. Donc là, vous voyez. Ah oui, parce qu'il y a le loto, c'est ça? Et donc là, on vient donc estomper tout le marron qu'on a mis. J'aime trop en fait. J'avais peur, hein, j'y vais à l'aveuglette, hein, je mets jamais de verre. Mais là j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Ah bah oui, mon chéri va pas tarder à partir aussi. Vous êtes dans la même équipe. Oui, bah oui, mais du coup, on a un truc de prévu, du coup, au final. J'ai vu que c'était le 30, puis tu m'avais déjà dit en plus que c'était le 30. Ça m'est sorti du cerveau complètement. Vous voyez, j'ai débordé un peu, c'est pas grave, je vais le rattraper après avec le correcteur. Hop, donc ensuite, je vais venir mettre mon crayon noir à l'intérieur de l'œil. Si je le retrouve, bien sûr. Non, ça c'est le rouge. Le noir. Donc celui-là. Et on vient le mettre à l'intérieur de la muqueuse. Donc là, j'essaie de faire assez vite parce qu'il faut que je ramène mes enfants à l'école. Après. Hop. Ah, j'aime trop. Le vert, il est vraiment magnifique. C'est vraiment chouette. Je m'en suis mis de partout en dessous. D'où l'avantage de faire le teint après. Vous allez comprendre. Alors, je me maquille dans le téléphone pour une fois. C'est pas trop, on voit bien. Hop. Donc là. Je suis trop fan de ce truc. Et donc là, on va venir mettre son mascara épique. Alors, je vais peut-être prendre l'autre parce qu'il me paraît sur la fin, sur celui-là. Yes. C'est celui-là. Hop là. Je voulais vous montrer un petit peu des couleurs que je mets jamais. Pour vous montrer que des fois, il suffit juste de tenter un petit peu. Pour que ça fasse joli, quoi. Vous voyez la différence avec un œil fait, un œil pas fait? Déjà. Comme ça se voit. Alors, je vais juste regarder moi du coup. Ah si, c'est chouette. Non, parce que du coup, en vrai, c'est pas pareil qu'en vidéo, je trouve. C'est encore plus joli en vrai. Vous allez voir la différence avec une couche. Deux couches, je veux dire, plutôt. Et sans rien. Vous voyez la différence, là, comme ils font? Comme ils partent par rapport à là. Ou des cils, petits cils pourris, quoi. Chouette, j'aime trop. Donc là on va faire l'autre œil quand même, hein. Parce que du coup c'est important de faire l'autre œil, hein. Coucou Jess.
vous voyez. Déjà tout de suite, comment ça repart les cils par rapport à tout à l'heure. C'est un truc de fou. Et vous voyez avec le sérum pour les cils là, j'ai des cils qui repoussent par rapport à avant. Voilà, j'adore. Je suis bien contente d'avoir choisi ces couleurs du coup. Donc là, vous allez voir pour le stick qui fait partie du Kudo Plus celui-là. Donc le Kudo classique. Je vais vous expliquer un petit peu. Il y a la base à l'intérieur. Vous avez le fond de teint donc liquide avec donc la teinte au choix, bien sûr. Hein. Correcteur pareil, teinte au choix. Et vous avez ou la brume fixatrice ou la poudre transparente Behold. Donc pareil, qui va venir fixer votre maquillage et vous apporter une barrière de sécurité, protection, pour venir protéger en fait toutes les agressions extérieures. Donc vous avez ça, et en plus, donc ça vous avez tout ça pour 106 euros. Plus, si vous prenez, donc vous avez le Kudo Plus, avec le pinceau, donc Kabuki, celui-ci, ainsi que le stick fond de teint. Donc aujourd'hui, on va voir le stick fond de teint. Donc après, c'est pas ma couleur non plus, donc ne m'en voulez pas, c'est ma couleur, on va dire, estivale, que je prends l'été. La couleur, c'est Highlight, celle-ci. Moi, en temps ordinaire, je prends velours. Et vous allez voir, comme c'est de la bombe. Moi je mets là. Là. Là je fais ça. Hop. Très facile d'application. On peut en mettre un peu là aussi. Donc là. On n'oublie pas le coup. Ça pour faire les contouring, c'est de la bombe. Et ensuite on a juste à prendre son petit pinceau. Donc le pinceau qui est avec dans le Kudo du mois. Et on va venir. Donc étaler. Le fond de teint qu'on vient de mettre en fait, et c'est un bonheur à travailler vraiment. Et toujours avec des petits mouvements circulaires, hein, comme l'ancien pinceau. Vous voyez déjà la différence? Alors moi je l'adore ce pinceau, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le kiffe. Avec ce fond de teint là, c'est juste une tuerie. Faut pas que je loupe l'heure, hein, moi. Surtout que c'est pour la sieste, alors. J'aurais été tranquille quand même. Vous voyez, on a juste en fait à appliquer en fait avec des traits. Et vous l'estompez avec le pinceau spécial. Tout simplement. Et l'avantage qu'il y a avec ces fonds de teint, c'est qu'on les sent vraiment pas. Ça fait pas du tout un effet plâtre, un effet... ouais, genre le portugais du maquillage, quoi. C'est mon mari qui est portugais qui vient de me regarder. J'ai dit une connerie. Coucou Julie! Il y a ta cousine qui vient de se connecter en même temps, je dis ça. Vous voyez? Ça fait vraiment un teint trop beau. Moi, j'adore. Oh, je suis trop fan. On fait bien le coup, hein, vers les oreilles. On n'oublie pas. On n'oublie pas le coup portugais, là. Ça va, petite Julie? Et donc là, on va venir mettre. Oula, ça bouge. On va venir mettre le correcteur. Donc, moi, c'est deux teintes en dessous de mon fond de teint. Donc, on prend une à deux teintes. Moi, après, vu que j'ai beaucoup de cernes en ce moment, je mets deux teintes. On y va, quoi. Merci, Milou! Donc vous voyez, on en met un petit peu. Hein. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Et donc là, on vient prendre, avec son pinceau comme ça, le blending brush.
Et là, on rattrape donc ce que j'ai mis sur le côté. Tout ça. Donc, bien l'appliquer en triangle. Vous voyez la différence déjà? Là, on voit grave. Là, on voit beaucoup moins. Mais après, je ne l'ai pas encore estompé. Et on fait pareil de l'autre côté. T'es en train de faire ton jardin, ma poule? Moi aussi, j'ai commencé à faire le mien parce que ce week-end, ça va être barbecue, je pense. Vu le temps qu'on a, là, c'est de la bombe. Et donc là, ensuite, on prend l'autre côté. Donc, vous voyez, le pinceau est comme ça. Donc, le premier côté pour appliquer donc, le correcteur. Et l'autre côté pour venir estomper. Donc, on vient donc estomper tout ça. Parce que le but, c'est pas qu'on ait un triangle sur la tronche. On est bien d'accord? Vous voyez, coucou Nounette! En tout cas, le vert là, j'adore. Vous voyez comme ça fait vraiment un beau teint? Avec le correcteur et le stick, moi j'adore. Je suis tombée amoureuse. A savoir que le stick n'est disponible que maintenant dans le coup d'eau du mois et il ne sera pas disponible avant mai. Donc vraiment, les filles, si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais. Enfin, si ou mai, quoi. Du coup. Donc ensuite, on vient prendre sa poudre Beach Front. Donc moi, je vais prendre la Malibu ou Hermosa. Non, Hermosa. On va prendre Hermosa. Oui, ça y est, j'ai déjà tout planté. J'ai acheté du gazon synthétique en promo. Hop, donc on va mettre. J'avais un appel, désolé les filles. Et donc là, je tapote en 3. À ce soir? Hop. Donc pareil, on fait l'autre côté. Et vraiment, ça fait un joli teint de poupée. Ça va, Mel? Ouais, j'ai fait un petit live improvisé. J'avais envie. Alors attendez, attends, je sais pas si je peux répondre en même temps, ça va couper ou pas? Dites-moi si ça coupe les filles. Ça a coupé ou pas? Je voulais savoir si ça avait coupé ou pas, mais je sais pas, du coup. Donc là, moi ce que je vais faire, je vais reprendre le vert que j'ai mis au-dessus, et je vais venir le mettre en dessous en fait. Donc voilà. Donc on va venir prendre le vert, celui-ci. Juste dites-moi si ça a coupé quand j'ai fait un truc tout à l'heure. Je voulais savoir. Non, ça n'a pas coupé. Ah, super. Alors, attendez. J'ai mon tic s'est pris une brasse. Je pense qu'il était en haut et qu'il ne devait pas être en haut, à mon avis. Bah, super. Je suis bien contente. Donc là, je prends mon pinceau exprès pour le liner. Donc le pinceau artiste, et je vais venir faire mon trait de vert en dessous. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce vert, et du coup je trouve que ça va vraiment bien. Alors, je vais prendre par contre une petite... voilà, nickel. Vous voyez, j'aime trop. Je suis à fond. Je surkiffe. Vous voyez, de mettre du vert en dessous. Comme ça rend bien. Donc je le mets jusqu'à la moitié à peu près. Et après, je vais finir par marron. Alors attends, je vais te le dire parce que c'est écrit en anglais, en English. Inconcevable. Inconcevable. Voilà. Et j'ai mis les doigts dans le noir, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, c'est pas grave. Donc là, je prends le marron et je vais venir faire
le dessous. Vous voyez, pour vraiment souligner. Voyez, oh, moi j'adore, je suis trop fan. Ça fait ressortir les yeux, c'est trop cool. Oh, je suis à fond, vraiment. Alors, je regarde juste l'heure, les gars. C'est bon, 33. On est pas mal. Et donc là, je pense que je vais peut-être mettre le. Je sais pas trop encore. Je vais mettre déjà de l'illuminateur et mon fard à joues. Donc le fard à joues, moi j'ai le surréal. Qui fait partie des nouveaux, donc celui-là, qui est comme ça. Vous voyez? Merci, Mélinda! Donc, on en prend. Vous voyez, on en met dessus. Donc on va le mettre là. Hein. Sur les joues, hein, c'est un fard à joues, comme son nom l'indique. Hop! Je trouve que ça finit tout. J'aime trop, trop, trop. Donc là, ensuite je mets mon illuminateur en stick. Donc après on peut le prendre en poudre aussi. Moi j'aime bien le mettre en stick. C'est mon petit truc. Et je vais le mettre là, ici, là, 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 et là. Donc je le laisse pas comme ça bien évidemment. On va prendre son doigt et on va venir en fait estomper. Donc son petit stick illuminateur. Là, je suis vraiment face à la lumière, donc du coup, ça brille beaucoup. Mais en réalité, ça brille pas autant. Je vous le dis. Oh, j'adore. Oh, je suis trop, trop, trop fan. Qui, le stick ou le verre? Et moi, qui? Genre, c'est des personnes. Ils habitent avec moi. Oh, c'est trop chou. Oh, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et donc là, je vais venir prendre le rouge à lèvres en poudre. Donc le rouge à lèvres en poudre, la couleur c'est Complicated. Donc c'est un marron un peu foncé. Moi j'aime bien le mettre. Donc je ne sais pas si on va voir. Si, je pense qu'on va le voir vu que je suis bien à la lumière. La poudre. Si je fais ça, elle descend. Et il ne reste plus que le pinceau au bout. Vous voyez comme elle tombe la poudre. Bisous! Ah, le fard à joues, il est trop bien. C'est celui que je t'avais dit de prendre en plus, je crois, sur elle, pour ta maman, il me semble. En fait, c'est des microbilles encapsulées qui, au contact de vos lèvres, vont se transformer en rouge à lèvres, quoi, en fait. J'adore. Vous voyez la couleur? Elle est un petit peu, elle est nacrée. Vous voyez? Oh, je kiffe. Vraiment, je suis à fond là. Oh, j'adore. J'ai envie de faire un truc sympa comme ça. Je ne pensais pas que ça allait être aussi sympa que ça. Vraiment, c'est le mélange du vert et du marron. Je surkiffe. Vraiment, 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 vraiment. Alors moi, je vais juste mettre un petit peu d'optimistique à l'intérieur. Donc l'optimistique, c'est celui-ci, qui brille énormément. Moi, j'aime bien quand ça brille. Moi, je suis une pie. Hein. Moi, je kiffe quand ça brille. Il faut que ça brille, il faut que ça brille. Je vais mettre avec quoi? J'avais un autre pinceau que je sais pas où j'ai foutu. À moins qu'il soit là-dedans. J'ai plusieurs petits pinceaux. Ah, il est là, mon petit pinceau. Vous voyez comme ça fait ressortir les yeux? Ah, il me semble que j'avais oublié un truc. C'est là qu'on voit que j'ai pas fini. L'illuminateur, vous voyez comme ça apporte bien. Tout de suite, comme ça fait. Donc moi, je prends le petit pinceau, là, celui-ci, pour vraiment faire dans les angles, en fait. Je trouve qu'il est vraiment trop bien. Il s'appelle Eyeliner Brush, pour info. Donc là, je prends la couleur optimistique, donc celle-ci, qui est une sorte de blanc ivoire, un petit peu. Et donc là, je vais venir le mettre juste... Alors par contre, je vais juste prendre ma petite glace. Je vais le mettre juste à l'intérieur, en fait. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas grand-chose. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Moi, j'adore le mettre. Vous voyez? C'est léger, hein? Et moi, je trouve que ça apporte un plus. C'est pas grand-chose, mais moi, j'aime beaucoup. L'essentiel, comme on dit, c'est que ça me plaise à moi. Hein. Vous voyez? Faites de le mettre un petit peu comme ça. Coucou, hello! Oh, moi, j'adore. Le rouge à lèvres, tout, je kiffe. Et donc, pour finir, on va venir mettre la brume fixatrice. Ce serait dommage de perdre tout ce maquillage. Bon, malgré qu'il tienne déjà très bien sans. Hein. Mais... Hop! Ça sent bon en plus, j'adore. Donc ça, c'est la poudre qui est dans le coup d'eau du mois. Je vais juste rappeler le coup d'eau du mois, parce qu'après, je vais devoir y aller. Donc le coup d'eau du mois, on a la base que j'ai mis au départ. Coucou Aurore! Donc la base qu'on a mis au départ. On a le fond de teint liquide. Bon, j'ai pris celui où il n'y en a presque plus, bien sûr. On a le correcteur, donc pour le teint. Donc ces trois choses, plus la brume, donc fixatrice. Ou la poudre fixatrice Biol, donc en poudre. Donc la brume ou poudre. Donc tout ça pour 106 euros au lieu de 157. Donc c'est pas mal. Et en plus de tout ça, si vous prenez le coup d'eau plus, coucou ma Carole, vous avez également le stick fond de teint que j'ai mis aujourd'hui, plus le pinceau qui va avec pour le fond de teint en stick. Et après, les filles n'est plus dispo, donc les deux ne seront plus dispo avant le mois de mai, fin mai. Donc si vous voulez en profiter, il reste 3 jours, c'est maintenant ou jamais. Donc vous avez tout ça, plus la brume ou la poudre pour 170 euros au lieu de plus de 200 euros. Donc vous faites une sacrée économie quand même. Et ça va vous durer 4 mois tranquille quoi. Sans compter que la brume beaucoup plus longtemps et la base aussi. Hein. Vraiment. Et le... Ce qui va vous durer 4 mois en réalité, c'est avec le fond de teint quoi. Parce que le correcteur, ça fait quasiment presque 2 ans celui-là. Par exemple, que j'ai, il m'en reste encore un petit peu. Mais c'est marqué derrière, en plus, 24 mois. Donc, 2 ans. Donc, les filles, je recrute toujours. Donc, si vous êtes intéressés pour venir dans mon équipe, je recrute activement, surtout pour le mois d'avril. Donc, on n'hésite pas. Même si vous voulez intégrer pour la fin mars, il n'y a pas de problème. Donc, le kit coûte 107 euros, pardon. Et vous avez plus de 300 euros de produits à l'intérieur. Donc, pour présenter, c'est quand même pas mal. Moi, je suis là pour vous aider. Après, on est une équipe qui est très, très soudée. Mais du coup, on aimerait bien l'agrandir énormément pour qu'on puisse passer nos statuts et évoluer toutes chacune à notre tour. Donc, on est payé 3 heures après. Donc, très pratique. Je vois, genre, dans le sud, là, je suis partie dans le sud. J'avais besoin de sous. Donc, j'ai réussi à vendre un coup d'eau. Et du coup, ça m'a fait ma paye 3 heures après sur ma carte bleue. Parce qu'on a une carte. Alors, je ne sais pas si je l'ai. Il est où? Je reviens, je vais vous la montrer. Donc là, on a également une carte bleue à partir de 50 euros de commission. Donc je vais juste cacher mes numéros. Vous voyez, Berlioz, Jessica, c'est moi. En plus, il y a même le sans contact, il y a tout. C'est de la bombe. Et du coup, bah, j'ai eu mes sous versés sur ma carte. Et j'ai pu payer ce que j'avais à payer. J'avais besoin de 10 balles. Donc. Et bah, ça m'a bien servi, finalement. On n'est pas obligé d'attendre la fin du mois pour être payé. Donc c'est cool. Donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Coucou Nina, je m'en vais, donc il faudra que tu regardes le replay ma chérie. Donc voilà, et je vous dis à bientôt. Je vais amener les enfants à l'école. Youpi, c'est la sieste. Donc voilà, bisous bisous.